Alors, d'abord, mon premier message, c'est un message maintenant depuis 5 ans, de soutien, d'estime, auprès donc du mouvement de l'OMPI. Donc de rappeler l'historiographie de sa résistance et de rappeler que, surtout aujourd'hui, une nouvelle ère commence. Notamment, on voit avec l'audition très récente en avril de Madame Rajavi devant la Chambre des représentants aux États-Unis. Et c'est une nouvelle ère de déconstruction de la manipulation qu'a subi l'OMPI depuis maintenant beaucoup d'années. Et c'est très important parce que la bataille, notamment, elle se passe par une révolution des mentalités de ceux qui peuvent soutenir aussi l'OMPI et donc qui doivent être assurés que la résistance iranienne est juste légitime dans sa volonté de combattre l'Iran d'aujourd'hui. Voilà, donc ce premier message, c'est celui-ci. Les autres messages, c'est de rappeler tout simplement la stratégie des mollahs, la stratégie d'exportation du terrorisme, d'exportation des crises, la stratégie de terreur qu'elle fait, que les mollahs font régner dans l'Iran. Et donc voilà, c'est de rappeler à quel point cette menace de l'intégrisme religieux dictatorial est une menace universelle. Et que nous sommes, nous tous, solidaires de ce combat, sans doute le combat du 21e siècle, contre l'intégrisme religieux. Bah, c'est Villepinte, c'est devenu maintenant un rituel, si j'ose dire. Moi, j'y ai participé plusieurs fois. C'est un moment de célébration. D'abord, c'est un moment de commémoration des massacres, de la douleur des familles. Il y a énormément de familles qui sont là. Et puis, je vous dis, après, c'est une bataille culturelle, c'est une bataille intellectuelle, c'est une bataille de légitimation. Et il faut que l'OMPI, de plus en plus, devienne notre interlocuteur privilégié pour mettre demain en place, nous l'espérons tous, un Iran démocratique.